C'est végétarien ? Oui, c'est ça. Ah, d'accord. Alors, on va. Le chocolat, tu le prends. Hein ? Cette initiative a démarré à partir du confinement, puisque nous avions au départ une antenne à l'intérieur de l'université. Mais ils avaient du mal, ils nous expliquaient que les horaires ne correspondaient pas. Donc on a eu beau mettre en place des horaires le soir, c'était compliqué. Donc on s'est dit, on a un Solidaribus, autant en profiter pour amener aux étudiants au plus près d'eux. Puis entre midi et deux en plus, puisqu'ils ont des cours en visio. Du coup, j'ai reçu un mail de l'association et du CROUS me disant que le repas se situait ici, que le repas était à 1€, qu'il fallait juste s'inscrire sur internet, et du coup ça m'a intéressé. T'as des rillettes d'esturgeon, tu veux pas goûter? Tu manges pas de viande? Bah si, mais ça va. Ça va? C'est difficile en ce moment, parce que par rapport aux examens partiels, le restaurant est fermé, c'était le seul moyen de manger en fait. Du coup maintenant on était obligé d'aller assez loin, on devait aller en ville, faire l'aller-retour, du coup on n'avait pas le temps. Salut. Je trouvais que c'était une belle initiative et puis c'est ouvert à tout le monde, etc. Ça profite. Et c'est vrai que ça nous dépanne. Franchement, ça commence à être assez dur à vivre, une semaine de partiel alors qu'on mange quasiment pas. Parce que, apparemment, janvier est aussi confiné. Le restaurant universitaire ne sera pas reparti. Donc évidemment, on va revenir toutes les semaines pour les étudiants.